De retour parmi vous. La meuf là pratiquement guérie. Encore des quelques petites douleurs. Surtout là, le matin, ça me lance. Et bah voilà. De retour sur le camp. Bon, aujourd'hui, ils ont prévu de la pluie. Il est 9h. Je suis venu que le matin. Me préparer un déjeuner. Poser le hamac, me reposer un peu et après repartir. Parce qu'ils ont annoncé beaucoup de pluie. Et pour le premier jour, j'ai pas envie non plus de trop forcer. J'ai l'impression que le chien a vu quelque chose. Tu attaques un Fuji, c'est quelqu'un. Est parti du premier coup. Hein. Je suis content, le feu est parti du premier coup là, sans problème. Enfin, c'est bien humide. Même s'il commence à pleuvoir sur les gouttes, heureusement je suis abrité par les feuilles. J'espère que j'aurai le temps de préparer mon petit déj. Je vais faire une omelette. Hein. En tout cas, il prend bien le feu. Hein. Sur le chemin, j'ai trouvé un champ de maïs. Alors, je me suis permis de me servir. Je le mettrai au feu, on verra ce que ça donne. C'est peut-être pas mangeable. Hein. Bon, il a l'air bien jaune, on verra. Surprise.
Voilà ce que j'ai prévu aujourd'hui pour le petit-déj. Une banane, deux pains au lait, un bon petit jus d'orange pressé, une bonne omelette, les œufs qui sont rangés dans une petite boîte. Si j'arrive à l'enlever, non, c'est pour ça. Une petite boîte de protection, ça évite de se casser. Deux œufs, faire l'omelette, un yaourt et le café. Et sûrement le maïs, ça dépend s'il est bon ou pas. Bon, le sucre, hein, comme tout, hein, j'ai ramené tous les accessoires, du sel pour les omelettes. Voilà. Voilà, en attendant, on va couvrir pour pas que les bêtes tombent dessus. Bon, hein. On va préparer l'omelette. J'ai oublié l'huile, ça risque de coller sur la poêle.
Voilà, le petit déjeuner est prêt. Paramètre de bacon. Dommage. Ça aurait été un petit déjeuner en anglais. Bien sucré et un bon goût de jus d'orange. Faut griller le maïs. Salut Chris, bon bah comme tu peux constater, je suis revenu sur le camp. Voilà. Je me sens prêt pour faire un bivouac avec toi ici. Hein. Bah, je te donnerai des dates. On planifie ça. Tu viens avec ta demoiselle Asna. Et moi avec ma princesse des bois. Et on se fera un bon bivouac ici, là, avec un bon repas. Voilà. Ben, on se tient au courant, je t'envoie ça par SMS, mais les dates, mes dispo et tu me diras. Voilà, si j'ai décidé de rester un peu plus longtemps, sachant qu'il est déjà 11h15, j'ai prévu des nouilles chinoises. Maintenant, je suis venu ce matin pour un bon petit déjeuner, qui m'a bien rempli le ventre. Mais au cas où, si je m'endormais trop et je voulais rester un peu plus, pour couper la faim, des nouilles chinoises. Au chicken. Bon bah voilà, le maïs bien cuit, on va le goûter. Hein. Je connais mieux, mais bon, c'est bon. Grillé, je vais laisser pour les animaux. Je vais mettre le maïs par terre. Il était bon. Hein. Oh, une petite coupure avec la scie, mais rien de grave. Hein. On va juste le désinfecter et mettre un pansement. Jette pour les infecter. Picote.
fois que c'est séché, j'en mettrai l'autre. Camouflé. J'ai refait le devant ici. Comme ça, ça fait c'est, je dois refaire. Voilà, ça donne ça. Plus de visibilité. Pour le moment, ça sera sec, ça sera un peu plus. Voilà, finalement, je vais rester ici pour manger ma soupe chinoise. Il est 1h. Je passe l'après-midi là, que j'ai fait une petite sieste. Moi, c'est une banane, un dessert. J'ai coupé du bois pour la prochaine fois. J'ai fait mon petit pas. Voilà, il n'y a plus qu'un.
Il faut que je m'active à manger parce que là il commence à pleuvoir, mais bien. Comme je vous ai dit, je suis abrité par les feuilles, mais ça traverse quand même. Là, j'ai mis en route pour le café. Je sais pas si j'aurai le temps de boire le café. Voilà, j'ai préparé le deuxième café. Délice. Et après j'ai le café qui est déjà prêt. Dessert, la banane. Passe un peu d'eau. Pourtant j'ai ramené 3 litres. Chaud pour éteindre le feu. On a encore l'eau du chien là. On verra. Et moi, ça... Bon bah, on a sorti le poncho. On va partir. J'ai bien éteint le feu. Bon, on va se manger la pluie. Hein. Il pleut déjà bien. Et j'ai mis des branches un peu partout. Ça fait joli. Voilà, ça donne ça à l'entrée. Ça donne un aspect nature. Bon bah ça rentre bien dans le décor. Hein. Bon, on rentre à la maison.